Alors, quelqu'un voulait témoigner là tout à l'heure là? Dire un peu ce que. Ouais, gloire à Dieu. Le micro, c'est parfait. Bonjour. Rebonjour, ouais. Bonjour à tous. En fait, bon, je voulais témoigner juste pour rendre gloire au nom de Jésus. Parce que, bon, en fait, depuis toute petite, moi, j'ai été asthmatique. Et bon, je ne faisais pas particulièrement les crises d'asthme. Enfin, depuis jeune, j'en faisais plus. Mais j'avais quand même un petit malaise de temps en temps quand je respirais. Et c'était gênant en fait. J'avais l'impression de me sentir étouffée et tout ça. Mais je me disais, bon, de toutes les façons, le Seigneur est Dieu. Donc il sait de quoi je souffre. Donc il fera les choses lui-même à son temps, en son temps. Mais je ne me disais pas forcément qu'il fallait que je prie pour ça, pour que le Seigneur me libère, parce que c'était quand même une sorte de condamnation. Même si je prenais pas tout le temps la Ventoline ou quoi, mais j'étais quand même un petit peu condamnée parce que j'étais mal à l'aise. Et je me suis souvenue de Marc 16, si on peut prendre Marc 16. Donc Marc 16, chapitre 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents avec la main, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Et du coup, ce soir-là, bon ben, c'était après une session de Didasco. Je suis rentrée à la maison, j'étais essoufflée, j'en avais marre, j'étais encombrée, j'étais mal à l'aise. Et je me suis posée dans la chambre et j'ai dit, bon ben Seigneur, dans ta parole, il est écrit que on imposera les mains aux malades et ils seront guéris. Alors pourquoi je ne le ferai pas moi-même en fait? Pourquoi attendre forcément que tu fasses toi-même les choses? Ou pourquoi aller vers un homme pour qu'il m'impose les mains? Et donc j'ai pris ma main droite, je l'ai imposée sur mon torse et j'ai prié. J'ai demandé au Seigneur de me guérir et je suis partie dans la cuisine, j'ai pris un verre d'eau, j'ai rempli ce verre d'eau du robinet et j'ai bu. Donc j'ai senti déjà un soulagement. Donc la nuit est passée, j'ai dormi et le matin je me réveille, je me prépare, j'ai l'impression que je vais bien. Et je vais pour prendre le train pour aller au travail, je marche, sachant que habituellement quand je marche un peu vite, du coup je suis vite essoufflée et quand je suis essoufflée, ben, je me sens encombrée. Et je marche, j'essaye de marcher un peu vite, genre je cours pour voir si je suis encombrée, et je vois y a rien. Je me dis, ah, mais j'ai été guérie. Et toute la journée, j'avais l'impression que je flottais, j'avais l'impression que je respirais, on dirait que je flottais. Et donc voilà, je voulais rendre gloire au Seigneur par rapport à ça. Et comme je t'ai dit, bah, je vais chanter un chant. Voilà, c'est pas mon chant, mais c'est un chant de ma sœur. Mais voilà, j'avais à cœur de vous le partager. Elle est là? Non, elle est au travail. Ok. Elle arrive tout à l'heure. Dieu nous fait grâce tous les jours de voir ses merveilles. Dieu nous fait grâce tous les jours de voir ses bienfaits. Il est pressé d'agir, car il revient bientôt nous chercher. Il est pressé d'agir, car il revient bientôt nous prendre. Jésus revient chercher son épouse. L'époux revient chercher son église. Il revient prendre une église sans tache.
Jésus revient chercher une épouse sans rire. Saisissons-le pendant que la grâce est là. Saisissons pendant que la grâce est là. Oh, la grâce de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. La grâce de Dieu est avec nous. Elle est avec nous. Elle est avec nous. Elle est avec nous. Le roi des rois est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La grâce de Dieu est avec nous. Elle est, Jésus revient, son retour est imminent. L'époux revient, son départ est imminent. Il revient prendre une église sans tache. Jésus revient chercher une épouse sans rire. Prépare-toi, l'agneau revient. Prépare-toi, l'époux revient. Préparons-nous, l'époux revient. Jésus revient chercher son époux. Oh, la grâce de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Le roi des rois est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Jésus. Il est avec nous. Il est ici. 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 Il est ici, 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 il est ici. Mon roi, il est ici, il est ici, yeah. Il est ici, il est ici, il est ici, Jésus, oh, il est ici, il est ici, oh, il est ici, il est ici, dans ma vie.
chante depuis combien de temps comme ça là? Hein? C'est ça qui est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre un peu là? On va venir parce que là, avec l'effet. En fait, ce qui est bizarre, c'est que bon, j'aimais bien chanter quand j'étais dans le monde, mais ma voix ne sortait pas. D'accord. Quand je chantais, ça sortait pas. Tu voulais être comme Beyoncé? Non, pas forcément. Ça, c'était pas moi, ça, c'était ma sœur. C'est ta sœur, Sabrina. Ouais. Mais ma voix sortait jamais. J'avais beau chanter, on m'entendait pas. Elle était cachée quelque part. Elle était cachée. Mmh. Et quand je me suis convertie, quand j'ai vraiment arrêté le péché, que j'ai commencé à me sanctifier, les petits copains, un jour, tout est arrêté. Un jour, je commence à chanter à la maison et je vois ma voix, elle sort. Wow. Je dis, mais c'est pas possible, je chante comme ça. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah ben, gloire à Dieu. Magnifique Seigneur. C'est le péché. C'est le péché qui tuait sa voix. Ben voilà. Le péché, c'est pas bon. Hein. Le péché n'est pas une bonne chose.